intellectual party. Thank you.
Mais c'est le fait de bouger beaucoup. Ah, on va, I'm going to go to the hospital. 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 Mon tabou là, le président Blégoulé. Et là, mon goût est très bien. Mon goût est très bien là, tabou le beau, Ba Manel. S'il sort de prison et que le président lui-même compte et décide de venir saluer le chef de Soko et sa population, c'est très bon. Et le chef de Villa Méchal vous dit ça, qu'il n'y a rien de grave, c'est la nouvelle qui nous réunit. C'est vous qui avez dit que vous venez aujourd'hui et ils sont assis, on vous attend. Pour commencer, toute cérémonie, il faut la bénédiction de nos ancêtres. Donc, aujourd'hui, c'est l'honneur revient à notre imam qui va faire quelques doigts pour la bénédiction de la cérémonie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إن لا تعالى ملك توصلنا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على محمد الفاتح المعروف لك والهادي لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم ولا لها قدر مزيم دار الفاتحة
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim. Ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Assalamu alaykum. Ok, la bénédiction étant faite, je pense que nous allons donner la parole au porte-parole de la chefferie pour son discours. C'est le doyen Katanga qui va parler au nom des chefs. Amen. Bonjour, messieurs et dames. Bonne année, monsieur le président Charles Bemoudé. Soyez les bienvenus parmi nous. Je prends la parole au nom du chef et des chefs de ville et des chefs des quartiers, plus la population de Soko. D'abord, je vous dis, il est fort, Naï Colonie, ça c'est un enfant, non? Et Tougali, Ibomoro, ça c'est un Koulango. Et tout quoi, ça c'est un nom, c'est le quatre intimes de Soko. Bon, donc ce qui est là maintenant, c'est vous dire merci. Merci d'avoir pensé à nous. Lorsque vous étiez à la E, toute la population de Soko priait pour vous. Il priait pour vous pour que un jour vous arrivez sain et sauf à Soko et de la exaucer. Pourquoi cela? On a pensé à ça. Les sages nous ont dit qu'il y a eu plusieurs passés. Je vous parle de monsieur Jomo Kenyatta. Au Kenya. Jomo Kenyatta a fait la prison, mais ce n'était pas en prison. Pour lui, il a passé ça, cela en brousse dans la forêt. Il ne vivait que dans la forêt, sa prison. C'est les éclairs de lune et la lune qu'il voyait comme éclairant où il était. Mais il était toujours en brousse. Il ne vivait que des fruits de liane. Mais après, il est revenu. Mais vous, vous étiez à la haie, vous étiez emprisonné, mais vous avez accès à la télévision pour avoir les nouvelles du monde entier. Donc, prenez cela en exemplaire. C'est un exemple. Donc, c'est l'arrivée qui est un peu trop court. Sinon, je vous disais un proverbe. Dans un village. Ah, c'est le vrai grand-père qui parle maintenant. Dans un village. Il devait avoir une course dans un village pour aller à un autre village. Le premier arrivant allait être récompensé. Cela, vous savez que c'est dans une course. Et tout le monde se présentait. Il y avait d'abord le cheval qui s'est présenté. Et la tortue s'est présentée. Le caméléon s'est présenté. Et les gens riaient du caméléon. Il a dit que c'est l'arrivée qui compte. Et c'est Dieu qui donne et c'est lui qui l'arrache. Donc, si vous vous moquez de moi, c'est Dieu qui sera qui serait le premier à arriver. Dans leur course, c'est le cheval qui était premier en partant. Arrivé en route, il y a un lion fâché qui l'a pris en route.
Il restait maintenant la tortue et le caméléon. Il y avait des enfants aussi qui partaient dans le même chemin. Ils ont trouvé la tortue. Et en cours de route, les enfants ont dit, mais ça fait des jours qu'on n'a pas la viande. Les enfants ont pris la tortue et ils ont mis dans leur sac. Il ne restait maintenant que le caméléon. Le caméléon, les mêmes enfants ont trouvé le caméléon en course. Le caméléon a changé presque la couleur de leur habit à porter. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah, celui-là, c'est quelqu'un qu'on doit prendre, et c'est un animal qu'on doit prendre comme exemplaire. Donc, votre prison que vous aviez fait, c'est un exemplaire. Le chef de village de vous dire cela. Donc, si vous aussi vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire sain et sauf, c'est pas quelqu'un qui vous a donné cela, c'est le bon Dieu. Avec la gloire du Dieu est plus meilleure que tout. Parce que Dieu n'assiste personne avant de faire ses dons. Donc c'est un don de Dieu qui vous a donné. Vous avez pensé à nous remercier, nous aussi, nous vous remercions au retour. Donc, voici ce que le chef et les notables m'ont chargé de vous le dire. Donc, je prends fin à ma parole. Ok, donc, après le discours du doyen, il va annoncer en même temps les dons du village. Bon, les dons du village, ils sont peu. Vous nous excusez du mot, parce que c'est le temps. Et vous savez que le temps où nous sommes aujourd'hui, c'est un peu sec. Contre la guerre des choses, Ukraine et Russie, ça nous a tous frappés. Mais on croyait cela que c'était loin de nous, alors que ça a coûté. Aujourd'hui, nous pleurons tous. Donc le chef et les notables, la jeunesse, tout le monde, vous offrir un mouton, douze ignames, et puis un pain kita traditionnel, tissé à Soko. Maintenant, une chaussure royale et un chapeau royal. Donc, voici. Vous savez que vous n'avez pas vu beaucoup de monde. C'est ce que je vous ai dit là. La crise là nous a trop frappé et c'est le moment de la Nakade qui est arrivé. Donc il est peu difficile de rester tous au village. Les jeunes, les enfants, d'autres sont partis pour chercher la Nakade. Donc voici les raisons, sinon 12 000 âmes, le village a, mais vous n'avez pas assez de personnes pour vous accueillir. Soyez les bienvenus, alors que Dieu vous accorde longue vie, accompagné de la santé, parce que si tu as longue vie et que tu n'as pas de santé, ce n'est pas serviable. Et Dieu vous accorde cela. Moi, mon français là, vous m'excusez, c'est le français de CMR. Vous m'excusez de... Ok, merci bien, Doyen. Président, on a une précision en détail. C'est que la dame qui est à côté du président est une fille de Soko. Voilà, la grande soeur Asana.
C'est son papa même qui est le permis. Voilà, le papa des chefs. Voilà, donc elle nous fait honneur en étant avocat du président. Voilà, merci et on applaudit ça. Maintenant, le pas de Kita, la chaussure, vous voyez, les chapeaux, ouais. C'est monsieur, c'est d'abord Kwasi Adam qui va habiller le président. Il est juste derrière moi. Envoie le cadeau d'abord, puis on va le C'est Koyou. Donc votre nom,
c'est Chien Kwadwo. Pourquoi Chien Kwadwo? Parce que les gentilés qui sont à Soko, il y a les Sénoufo et il y a les Koulango et les Abon. Donc, c'est pour cela que vous portez Chien. Ça, c'est le nom du premier fils du Sénoufo. Et Kwadwo, ça, c'est le nom du jour en Koulango. Donc, c'est pour cela qu'on vous nomme aujourd'hui. Votre baptême est fait au palais du chef du village. Vous vous nommez aujourd'hui Chien Kwadwo. Nous prions Dieu. C'est ce que j'ai dit ici, que vous aurez longue vie, beaucoup de santé, et que Dieu fasse en sorte vous payer de ce que vous avez subi. Que Dieu paye de ce que vous avez subi. Parce que Dieu ne constate personne avant de faire ses dons. Donc, voici la bénédiction que le chef et les notables doivent. Merci. Bon, je vais passer. Ok. Donc, après le baptême du président, nous allons donner la parole à notre grande sœur pour saluer un peu la famille et puis le président va donner le mot de fin. Merci bien. Parce que vous attendra. Oui. Il ouais, faut traduire, hein. Faut traduire ce qu'elle a dit là. Donc actuellement, c'est Monsieur le Président Charles Béboulé qui va s'adresser à la population de Soko. Merci.
ici. Vous voulez voir les parents ou les photographes. Vous faites que je ne vois pas les parents. Comme c'est pour eux que je suis venu. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas si je dois dire je m'appelle Ndou Goudé, de me présenter, ou bien si je dois dire je m'appelle Sir Wagyu. Nous sommes au palais du chef et je n'ai pas l'habitude de refuser les noms qu'on m'a donnés. Et donc, je m'appelle Sir Wagyu. Je suis donc venu ici aujourd'hui à Soko, un village que tout Ivoirien connaît pour sa particularité d'être un village touristique, un village traditionnel, qui a conservé sa tradition. Et c'est aujourd'hui, dans ce village, que je suis avec ma délégation qui m'accompagne ici. Beaucoup peuvent se demander pourquoi il est venu à Soko. J'ai envie de dire en langue Koulongo, j'ai envie de dire. Merci. Donc, je disais que on pourrait te demander pourquoi je suis venu ici. Je suis venu vous saluer. Je suis venu. Ah, tu vois. Okay. Mais Hermi, il fallait qu'on l'aide. Oh! Il est là. C'est bon maintenant. Moi, je n'ai pas ramassé. Là. Je n'ai pas ramassé. Merci beaucoup. Je suis donc venu vous saluer. Tout à l'heure, le porte-parole a dit, vous allez prier. Celui qui prie, ce n'est pas forcément celui qui crie. Celui qui prie, ce n'est pas forcément celui qui crie. Ceux qui parlent beaucoup ne sont pas forcément les plus nombreux. Ceux qu'on n'entend pas parlent dans le silence. Prie dans le silence. Au-delà de ma petite personne, quand vous priez, je pense que c'est pour toute la Côte d'Ivoire. C'est pour que les enfants de la Côte d'Ivoire soient tous rassemblés dans ce pays. Que des problèmes, même si notre pays en a rencontré, que entre filles et fils de ce pays, on s'asseye autour d'une table, on pose les problèmes et qu'on les règle entre nous. Chers parents, je vais vous dire merci.
Je suis aussi venu vous dire merci parce que une de vos filles marche avec moi dans mon parti. J'étais à La Haye, au Pays-Bas, en prison. La prison, c'est comme la mort. Quand tu es mort, on te prend, on va te déposer parmi des gens que tu ne connais pas. C'est la même chose. Pour la prison, on te prend, on t'attrape, on va te déposer aussi parmi des gens que tu ne connais pas. Quand tu sors de là, quand tu viens, tu dois aller vers ceux qui ont eu une petite prière pour toi pour que tu sortes de là. Je suis venu vous saluer. Depuis le vendredi que je suis entré dans le Congo, mais j'ai vu un peuple debout qui m'a manifesté beaucoup d'amour. Et je suis venu ici pour vous dire merci pour votre fille, Asana Ouattara. Asana fait partie de ceux et de celles qui m'ont soutenu et qui m'ont permis et qui m'ont aidé à supporter la solitude dans le froid chez les Blancs. Elle fait partie des gens qui venaient, qui faisaient la cuisine. Elle fait partie des gens qui venaient, qui me soutenaient. Mais j'ai dit, je vais aller voir d'où cette femme-là est venue. On dit qu'elle est venue de Soko. J'ai dit, je m'en vais là-bas. Je vais saluer ses parents. C'est pourquoi je suis là aussi. Merci à Sama. Merci beaucoup. Merci à ton papa de nous avoir donné Asana. C'est une fille bien. Tu lui as donné une bonne éducation. Elle marche droit parce qu'elle marche avec un homme droit. Merci beaucoup. Je suis aussi venu pour demander vos prières. Vous savez, quand un pays sort de guerre, il a l'obligation de faire en sorte de rassembler ses nouveaux à nouveau ses enfants. Vous voyez les gens se promener comme ça à Soko ici, ou à Mondougou, ou à Bengourou, ou à Gagnoua, ou à Bidjan. Ils rient ensemble. Dès qu'on dit élection nette, tu ne les reconnais plus. Voilà, tu ne les reconnais plus. Des amis qui ont mangé là-bas, qui ont mangé ensemble. Des amis qui jouaient au ballon hier ensemble. Qui marchaient dans le quartier. Dès qu'on dit élection nette, tu ne les reconnais plus. Ils se poursuivent. Ils sont prêts à se tuer les uns les autres. La question que je me suis posée, c'est pourquoi il faut quelqu'un pour aller les rencontrer. Il faut quelqu'un pour aller leur parler. Dieu m'a donné une force, c'est le leadership. Mais quand Dieu te donne une force, c'est le leadership. De parler, mais surtout de bien parler. Et quand tu viens, tout le monde est dehors. Le leadership que Dieu te donne, tu ne l'utilises pas pour écraser les autres. Tu ne l'utilises pas pour écarter les autres. Comme on mène là, je prends ça pour écraser les autres. Dieu va t'arracher ce qu'il t'a donné. Le leadership que Dieu donne, on doit l'utiliser pour rassembler. Je suis venu demander vos prières. Vous priez pour moi, pour que je parle à mes camarades jeunes, pour leur dire, plus jamais on doit se battre pour des élections. Plus jamais on doit se tuer pour les élections. La politique, elle est faite pour donner la vie. Elle est faite pour améliorer la vie. Elle n'est pas faite pour monter les enfants d'un pays les uns contre les autres. Juste pour que toi tu aies un fauteuil présidentiel. Juste pour que toi tu sois ministre. Juste pour que toi tu sois député. Juste pour que toi tu sois maire.
Les gens doivent mourir pour que toi tu sois président. Les gens doivent mourir pour que toi tu sois député. Après ce mouvement, tu vas diriger. C'est pourquoi je suis revenu de la haine. J'ai dit, le fou, parents et chers amis jeunes, le fou, ce n'est pas seulement celui qui mange dans la poubelle. Le fou, c'est celui qui fait la même bêtise et puis il espère un autre résultat. Lui, il est fou. Si à cause des élections, on s'est tué et ça a retardé notre pays. Si on recommence, c'est qu'on est fou. Oh, moi, je suis tout sauf fou. C'est pourquoi je suis venu demander, vous mes parents, vos bénédictions, pour que je puisse parler à toute la Côte d'Ivoire. J'ai dit cette fois-ci, on n'a pas dit qu'à 2011, ça va y gâter. Hein? Comme ça va y gâter, là, je vais arranger. C'est à cause de ça, dans toute la Côte d'Ivoire, on m'a pris un mariage chez les Blancs. J'ai fait 11 ans, 9 mois. On dit c'est bon, c'est bon, c'est gâté. Donc je suis revenu avec une aiguille pour recoudre ce qui a été déchiré. Voilà. C'est pour ça que je suis venu. Et cette fois-ci, j'ai décidé de le mettre de côté. Pour parler de paix, pour parler de réconciliation. C'est une décision personnelle. Ce n'est pas le président Henri Colombédier qui m'a envoyé. Ce n'est pas le président Hassan Ouattara qui m'a envoyé. Ce n'est pas le président Bagbo qui m'a envoyé. Je me suis envoyé moi-même. Je me suis envoyé pour la Côte d'Ivoire. Je me suis envoyé pour les Jeux de Côte d'Ivoire. Pour que les élections y arrivent. Il y a zéro mort, zéro blessé. C'est pour ça que je dis. Pour faire une élection en Côte d'Ivoire ne ressemble plus jamais à une déclaration de guerre. Dès qu'on dit élection nette, chacun commence à faire son petit bagage pour aller vers le Ghana. Et ça, c'est pas bon. C'est pourquoi je suis venu demander aux bénédictions. Pour aller vers les autres. Pourquoi je suis venu chez le Colombo? Parce que c'est ici, dans le pays Colombo, que j'ai grandi. Je suis né chez mes parents, chez les bêtés, mais c'est chez le Colombo que j'ai grandi. Donc c'est ici, je suis venu pour prendre la faveur, pour prendre vos bénédictions. Parce que je ne veux pas me jeter comme ça dans la haine. On ne mesure pas la profondeur d'une rivière avec les deux pieds. On ne mesure pas la profondeur d'une rivière avec les deux pieds. Tu mets un pied d'abord pour voir. Et puis après, tu mets l'autre pied. Quand tu suis, maintenant tu avances. Le premier pied pour mesurer la profondeur, c'est chez le Colombo que je suis venu. C'est sur vous que je suis venu pour prendre vos bénédictions. J'ai besoin de vous. Je suis venu ici. Qui a fait la prière? C'est l'imam. Mm-hmm. Nous tous, on a tendu nos mains. Est-ce que quelqu'un est ici? Non. C'est l'imam qui a fait la prière devant nous tous. Est-ce que s'il y a un chrétien ici, parce que l'imam a fait la prière, tu ne vas pas dire qu'il ne te bénit pas? Non. Donc, ces histoires des 10 chrétiens opposés à musulmans ce sont des prouveries. C'est le même Dieu que nous prions. Qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle Lago en Bété, qu'on l'appelle Yoko en Boulango, qu'on l'appelle Namie en Akan, c'est le même Dieu que nous prions. C'est pourquoi je me promène. Je suis venu pour demander vos bénédictions. Chers parents, voilà pourquoi je suis venu ici. Je suis venu prendre à vos mains l'aiguille pour le coup, ce qui a été décidé. Je suis candidat
pour le moment, à aucune élection. Je vais les regarder. Avant, quand ils vont dire on m'a envoyé, on ne m'envoie plus. C'est moi qui envoie les gens. Depuis qu'il est venu, ne propose rien aux Ivoiriens. J'ai mon agenda. Et mon agenda, là, c'est pour la Côte d'Ivoire et les personnalités. C'est moi qui définis mon agenda. C'est pas quelqu'un qui définit mon agenda. Parce que c'est notre problème dans ce pays-là. Il y a des gens qui sont dans le salon. Et eux, ils pensent que ils ont la télécommande, que nous, on fasse ce qu'eux, ils veulent. Non, moi, je ne ressens pas à ça. Moi, on ne m'envoie pas comme ça. Je suis venu en Côte d'Ivoire, je ne suis pas de passage. Quand je ne propose rien aux Ivoiriens, je propose la paix aux Ivoiriens. Je propose la réconciliation aux Ivoiriens. Je propose la cohésion sociale aux Ivoiriens. Parce que quel que soit tes programmes de gouvernement comme tu veux, si la Côte d'Ivoire est à feu ensemble, rien ne peut marcher. C'est pourquoi je propose la paix aux Ivoiriens. Si tu n'as pas compris que la paix est la meilleure des propositions, c'est que tu n'as rien compris. Si tu n'as pas compris que la Côte d'Ivoire a besoin de cohésion sociale et que c'est la meilleure proposition, tu as un problème et tu as un problème quand même. Il faut aller dire qu'on va rentrer à l'hôpital. Djoula, Koulango, vous tous, vous vivez ensemble dans ce village. Continuez de vivre ensemble comme ça. Vous êtes du même village. S'il y a un problème ici, c'est vous qui allez enterrer vos enfants trop tôt. Alors que c'est les enfants qui doivent enterrer les parents. C'est pas papa qui enterre son enfant. C'est l'enfant qui va à l'école et un jour il enterre son père très vieux. Si la maladie t'a emporté, c'est autre chose. Mais quelqu'un a des poussives à te tuer à cause de politique. Je suis venu et j'ai besoin qu'on le fasse ensemble parce que je ne vais pas le faire moi seul. C'est avec votre soutien, c'est avec votre compréhension que ce qu'on a connu il y a des années, on n'a plus jamais connu. C'est pourquoi j'ai dit toutes les victimes de la Côte d'Ivoire ont droit à notre pardon. Et dès que je suis descendu de l'avion, j'ai dit je demande pardon à toutes les victimes. Et devant vous ici, je voulais encore réitérer ce pardon à toutes les victimes de la crise ivoirienne. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Pour tous. Ceux qui ont été choqués par des propos, vrais ou supposés, on est comme la langue et l'état. On est dans la même bouche. On peut se mordre de temps en temps, mais on doit entretenir la bouche. On doit brosser la bouche. Et notre bouche commune, c'est la Côte d'Ivoire. Que nous devons préserver. Il faut qu'on ait à diriger la Côte d'Ivoire, il est parti. Henri Bonan Bédé a dirigé la Côte d'Ivoire, il est parti. Guy Robert a dirigé la Côte d'Ivoire, il est parti. Babou Roland a dirigé la Côte d'Ivoire, il est parti. Aujourd'hui, nous devons encore entrer diriger la Côte d'Ivoire. Un jour, il est parti. Et le pays, c'est pas parce qu'on l'aime pas, c'est la loi de la nature. Mais quand les points ont fini, moi je dis un jour, je vais être président de la Côte d'Ivoire. Mais le pays, c'est pas dit demain matin, à tous les prix, à tous les coups, je vais être président. Le peuple de Côte d'Ivoire a le discernement. C'est qui est bon pour eux, qui n'est pas bon pour eux. C'est qui n'est pas bon, c'est qu'on tue quelqu'un de son choix politique. Et je vais à ça. Je vais le promener dans toute la Côte d'Ivoire. Et je vais à ça. Pour le moment, c'est mon seul programme qu'il y a. Il n'y en a pas deux programmes. Ceux qui sont d'accord que la Côte d'Ivoire a besoin de paix, ils vont le suivre. Ceux qui n'ont pas compris ça et qui veulent continuer de se battre, on ne va pas les laisser. On va leur parler. Vous dites, vraiment. Laissez ça. On va les écouter.
jusqu'à ce qu'un jour ils comprennent que la paix, c'est le meilleur programme. Ça va tourner avec la politique. Depuis que il y a un homme là, vous voyez, qu'on appelle Facebook. Tout le monde est politicien. Tu sais pas. Tu connais quoi? Tu as appris ça où? C'est un peu trop long. Mais moi aussi au Kwadio. Moi aussi au Kwadio de Soko. Soko a créé une mission. C'est une mission de paix. Dis ça aux parents. Je suis content d'être ici. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour les cadeaux que vous m'avez fait. Merci beaucoup et je pars d'ici avec cette mission de paix et j'irai partout en Côte d'Ivoire pour parler de paix. Maintenant, comme le petit frère est même père, même mère, dès qu'on est arrivé, ça s'appelle au revoir. C'est pourquoi je suis obligé de vous dire au revoir. Vous m'avez dit qu'on est arrivé, moi je vais vous dire au revoir aussi. Je demande donc la moitié de la route à mes parents. Que Dieu vous bénisse.
toujours dans les cœurs de son enfant. Elle a pu choisir le bon côté, qui est le leadership Charles Blé Goudé, COGEP, pour le village du Soukou. Vraiment un grand merci à sa fille. Que Dieu la protège et lui donne l'envie. Et le président aussi. Que tout ce que le président est entrepris puisse achever du bon terme. C'est ce qu'elle a un peu. Voilà. Est-ce que c'est fini, Patrick? Ok, merci bien, Doyen. Et puis concernant la cohésion sociale dont le président a parlé, on peut dire que Soko, c'est un village qui donne déjà l'exemple. Parce qu'ici, tout le monde vit en parfaite harmonie. Les chrétiens, les musulmans, les animistes. Aujourd'hui, quand il y a une manifestation à l'église, ils invitent les imams. Ils vont. Même notre grande mosquée, lorsqu'on voulait placer notre dalle, les chrétiens sont sortis nombreux venir aider. Donc déjà, ça me dit qu'entre nous ici même déjà, ça va. Ici, c'est comme la Côte d'Ivoire. Généralement, dans les autres villages, on trouve uniquement que peut-être les Koulangos. Et ici, à Soko, il y a les Nafana, il y a les Koulangos, il y a les Noumou, qui sont les forcerons, il y a une communauté lobby, il y a les Allemands, il y a beaucoup d'ethnies. Voilà, c'est les Nafana. Voilà, maintenant, il y a les Bains. Il y a beaucoup d'ethnies ici, mais on vit en harmonie. Quand tu viens, tu ne sais même pas qui est Bain, qui est Nafana, qui est Noumou et autres. On vit ensemble. En tout cas, ça va, chez nous, ça va. Il n'y a pas de problème ici. Même les politiciens n'ont pas réussi à nous séparer. Voilà, ici, ça va. Bon, d'abord, il y a même